Ok, yop les pilotes, c'est bienvenue dans le paddock avec enfin, ça y est, l'or sur cette épreuve de Vallelunga Club en drift avec la M4. C'était chiant, mais ça y est, j'y suis parvenu en seulement 3 tentatives aujourd'hui. Ouais, quand même. Du coup, on va continuer notre drift avec des vues un peu différentes puisqu'on va, on va poursuivre les différentes épreuves. J'en cherche une, hein, il n'y en a pas partout sur toutes les pages. C'est pas particulièrement équilibré. Voilà, on est ici sur Magione avec la AE86 Drift. Ensuite, on aura Vallelunga avec la Supra et l'Aventador SV sur Vallelunga Club. Ça risque d'être compliqué, je pense, d'un autre monde avec la Lambo. Faut voir si la SV est une 4 roues motrices ou pas. Mais si c'est un 4x4, ça, je ne viserai que le bronze, hein, clairement, sur celle-là. Pas plus. Allez, la E86, normalement, je pense que nous devrions être, a priori, hein, sur une grille H. Effectivement. Bien conscient que les mêmes gilles sont peut-être pas les plus hauts, mais bon. Je pourrais passer la 4, mais je préfère rester à vitesse à peu près constante.
a déjà l'argent. Vous aurez peut-être remarqué que je me facilite un peu la tâche au niveau de l'angle de rotation. J'ai laissé sur 540, comme sur la fin du live d'hier. D'autant que la 86, c'est la première épreuve que je fais avec elle. Je l'ai utilisée une ou deux fois en entraînement libre, mais pas sur des circuits comme celui-ci. Un circuit qui est finalement pas si dégueu en drift. Hein. Il y avait déjà eu une épreuve drift ici avec une BM, je crois que ça devait être la E92 M3, ils sont gros V8. Et on a effectivement la possibilité d'aller chercher la plage de couple de la motorisation. Là ici avec le petit 4 AGE c'est un peu plus compliqué, mais heureusement il y a une petite prépa drift sur cet exemplaire, donc elle développe un peu plus de puissance que la version de base, et puis surtout son châssis est adapté au drift. Ce qui fait qu'elle se place plutôt bien, elle est agréable cette AE86 en drift. Elle est bien équilibrée. Et même si je suis en grillage avec l'embrayage au pied, ben, je parviens à faire de beaux trucs. Et me sortir là, un peu trop enthousiaste. Allez, c'est bon, là, je tempère. Voilà, comme ça, j'ai validé l'or. Et là maintenant, on peut y aller. Pour le plaisir, il faut prendre un peu plus de risques.
peut-être essayer des prises d'angle un peu plus fort. Loin du hors-piste et de la perte des scores, ça aurait été dommage, mais ça passe. Heureusement, le vibreur est assez large dans ce virage. Et toute cette auto. Ah, elle a un équilibre de fou. Une voiture qu'on suit dans les années 80, quoi. Et on a toujours pas fait mieux aujourd'hui, hein. Le combo idéal de la voiture à la fois sportive, économique, familiale, équilibrée. On fait ce virage là, on en fait le virage, mais. Ah, bon, la cinquième ça passera pas par contre là. Hein. Avoir un petit manque de puissance et de patate. Un petit peu de kick et ça repart. Ah là, j'arrive un peu trop vite. points et on visait 25 000. J'adore cette auto, quoi. La E86, c'est vraiment la reine du drift. Je kiffe. Allez, Vallelonga avec la Supra Mark IV Drift. Donc, a priori, une voiture qui sera plutôt adaptée aussi à la pratique. Normalement, on sera de nouveau en gris H avec cette auto. Toujours avec l'embrayage à la pédale, hein. Donc ça devrait être assez fun. Les observateurs ont peut-être remarqué un autre changement sur mon setup par rapport à hier, le volant. Alors c'est toujours le Fanatec bien sûr, mais j'ai changé la roue, je suis passé sur la roue WRC Xbox, on est sur PlayStation mais ça fonctionne très bien malgré tout. C'est la force évidemment de l'écosystème Fanatec. Salut moto. D'accord, elle a une boîte qui tire méchamment court. Et on est sur un tracé qui tire assez long. Je pense que là, ça va être le tracé la difficulté ici. D'accord, les suspensions sont ce qu'elles sont, hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ce tracé dans cette configuration-ci, c'est pas l'idéal pour le drift. Le petit circuit tout à l'heure aurait été mieux en fait. Mais... j'ai pas fait gaffe au score, je suppose que c'est 25K, mais. Alors, la chance qu'il y a, c'est qu'ici il y a beaucoup de dégagement à salter, donc on peut sortir très large et ne pas perdre le score. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, par contre, le frein main, ça serait utile par contre pour jeter la Supra. Ouais, là, on arrive sur la portion où on va pouvoir mettre un peu plus de score. La portion commune avec le petit circuit.
Ah, la sonorité, le turbo là sur ces autos. C'est quand même très très kiffant. Hein. Vous ne m'attendez pas passer loin. On va calmer le jeu un peu. Ah, on s'est appris qu'il y a l'épingle. C'est temps pour moi. What? C'est bon, heureusement que j'avais validé le score avant. La boîte a pris un coup. Heureusement qu'on ne pousse pas trop la deuxième, mais donc, si on fait trop les synchros, elle valait moins bien la voiture après. Ok, un gros expert des familles, ça passe. Waouh. Ah, dommage. J'essaie de stabiliser l'auto, j'y arrive pas. C'est génial. Elle a un très bon réglage drift, hein, mais alors disons qu'une fois qu'elle est en drift, elle veut le rester. Contrairement à Grand Tourisme, on perd pas de points en allant sur les bandes rugueuses. Hop là, et de nouveau, petite sortie, j'en ai bien rappelé tout à l'heure.
stabilise, merci. A priori atteint le score. Et je la tire sur l'angle comme ça, sans frein main. Avant le virage là. Ça fait longtemps que j'avais pas pris l'intérieur ici. Là. Dommage. Je vais considérer que j'avais trop perdu de vitesse. C'est dommage parce que je la rattrape et donc techniquement j'aurais pu enchaîner encore. Mais bon, maximum combo 18, bah ça va. Niveau 22, ça, franchement c'est correct. Et 25 680 points validés sur 25 000. Il y a des autos comme ça où ça passe tout seul. Hein. La 86 juste avant, cette Supra, c'est passé nickel. First try. Et là, ben, ça va être autre chose, je pense, avec la Aventador SV. Ouais, ils nous mettent pas si c'est des 4x4 ou si c'est des propulsions, parce que je pense qu'il y a eu des versions propulsion de Lamborghini à l'époque, mais a priori celle-là doit, je pense, être une une 4x4 et ouais, c'est pas fou le drift en 4x4 hein, sur assez tôt, c'est très très compliqué de faire glisser ces voitures là. Et on a accès à assez peu de réglages finalement, donc c'est, ça n'aide pas non plus quoi. Le carburant, on s'en fout un peu. L'aileron arrière, ouais, bon, sur le coup, c'est pas vraiment l'aéro qui va nous aider. On est à assez basse vitesse globalement quand même. Et alors, on a quoi comme pneus? On a les pneus Trofeo ou les pneus routiers. Mais je pense que clairement, les Trofeo en 4x4 ça glissera jamais. Donc on va laisser les pneus hypercar routier et puis pour le reste, oui évidemment on peut bouger à certaines choses. Alors placement suspension, ça veut dire quoi juste Ok, donc c'est l'ouverture et le pincement du coup. Ouais, mais alors du coup, là, qu'est-ce qu'ils appellent l'alignement du coup J'avoue que je capte pas. Non, le placement c'est le carrossage, alors du coup. L'alignement c'est le pincement ou l'ouverture, a priori.
Et le placement, c'est le carrossage. On est bien d'accord là-dessus, hein, parce que sinon les valeurs, elles me paraissent complètement pétées en fait. Enfin bref, on va y aller. A priori sur celle-ci, c'est une grille, ouais, c'est une boîte séquentielle, effectivement. Oh, et elle y va. On a quand même des pneus qui accrochent, hein, mais... C'est peut-être pas une version 4x4 finalement celle-ci. En fait, j'arrive pas trop à définir si c'est une 4x4 ou pas. Attendez, on va faire un test. Si c'est une 4x4. Attendez, comment est-ce qu'on fait poser avec ce volant-ci ici? Hop, voilà. Ah, si l'Audi Quattro pouvait se comporter comme celle-ci. Un peu trop bas dans les tours, évidemment pas de clutch kick avec une boîte séquentielle à palette. Hein. Oh la vache. Elle est vive. Enfin, oh la vache, je veux dire, oh le taureau, du coup. Ok, elle va pas être évidente parce qu'elle est puissante. Et sa puissance fait qu'elle prend très rapidement de l'angle en fait. Elle est pour moi peut-être un peu trop vive. Ça va être chaud. Il faut 25K. En fait, là où c'est compliqué avec celle-ci, c'est que... Elle est puissante, donc il faut doser les gaz. Mais ça reste une quadrimotrice, même si la prédominance est sur l'arrière. Et en tant que quadrimotrice, elle ne veut pas glisser en fait. Donc il faut mettre suffisamment de gaz pour que l'arrière décroche, mais suffisamment dosé pour que l'avant tracte encore un minimum. Ce qui fait qu'elle se conduit comme une WRC, mais qu'il y a des gros problèmes de transmission sur l'avant. Il faut garder à l'esprit que, comme d'autres voitures du jeu, le V12 il est posé derrière nous et qu'il est responsable d'une grosse partie du poids de la caisse. Et donc, une fois que l'inertie du V12 est là,
L'arrière, il décroche direct. L'exemple parfait du V12 qui veut passer devant. Une fois que le train arrière est trop chaud, c'est un truc qui n'a rien à voir, mais ça fait perpète qu'on n'a pas eu des berlinettes V12 chez Ferrari à moteur central arrière. Je crois que depuis la Testarossa, il n'y en a plus eu. Donc la Testarossa, la 512, hein, du coup. Effectivement, l'appellation Testarossa est assez ancienne et dans les années 50, il y avait déjà la 250 Testarossa qui, elle, avait le moteur à l'avant. C'est fait. On va continuer, voir si on peut aller chercher le gold ou pas. Oula, 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 oula. Rétrogradage un peu sur l'angle, c'est pas une bonne idée. Heureusement, on était à assez basse vitesse, donc le blocage de diff n'a pas eu une trop grosse influence, mais... Et ça va mal se finir, ça. Thank you.
Ouais, ça ferait vraiment bizarre de drifter à moins de 80 km/h en deuxième avec une grosse caisse comme ça. En vrai, 8000 points pour une première avec cette auto, c'est pas si mal, hein, franchement. Quand j'ai vu le Schmilblick arriver, je me suis dit, ouf, ça peut être facile cette auto. En fait, ça va. C'est très différent des deux Toyota qu'on a eu avant, mais franchement, ça passe. Alors, Porsche Cayman 718 sur Vallelunga Club. Décidément, ils nous mettent beaucoup ce circuit. C'est dommage qu'on ne puisse pas changer la couleur pour ces défis, quoi. C'est eux qui choisissent la couleur de notre auto. Bon, c'est aussi le cas dans les missions, les permis de Gran Turismo, mais bon. C'est juste la couleur de la voiture, ça n'aura pas une influence sur notre score. Mais ça pourrait être pas mal, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que. Ouais, c'est ok, c'est une grille H. Je sais parce qu'on voit, si vous voyez à travers la tuile stand, là, quand je fais ça, on voit le levier de vitesse qui bouge. Et il faut faire que 10 000. Là, par contre, à la sonorité, j'ai pas l'impression de conduire une Porsche, hein. Par contre, les suspensions, c'est du marshmallow sur cette caisse. Et j'ai l'impression qu'elle a absolument rien en bas. Limite, j'ai l'impression que dans les virages lents, il va falloir que je remette la première, quoi. J'ai eu l'occasion de conduire dans le cadre de l'émission Test Drive un 986 Boxster qui est donc d'une certaine façon l'ancêtre en version cabriolet de cet exemplaire-ci. Et ben je retrouve les mêmes sensations, à savoir que pour moi on est quand même sur un moteur assez gros. Donc on s'attend à ce qu'il y ait du couple. Dès les premiers tours, on est sur un moteur atmosphérique, donc certes on s'attend pas à énormément de couple, mais on s'attend à ce qu'il y en ait dès les premiers tours. En tout cas, moi venant de la Mazda MX-5, qui a un moteur 1,5 litre atmosphérique, je me suis dit, bon bah là on passe sur un moteur quand même de cylindrée sensiblement plus élevé. On n'est pas sur un moteur deux fois plus gros, mais pas loin. En termes de puissance, on est au double de la MX-5. Enfin, on était au double avec le Boxster que j'ai testé. Je me suis dit, bon, en vrai, pour cruiser à bas régime, ça doit être tranquille avec le couple. Pas du tout, en fait, ce sont des moteurs qui se révèlent une fois qu'on prend des tours, mais... J'avais oublié un petit détail. C'est un moteur central encore, donc... Répartition des masses, donc faut pas l'acheter comme une BM dans les virages. En fait, c'est vraiment des voitures qui demandent... C'est l'avant qui décroche, hein, c'est dingue. Ce sont vraiment des voitures qui demandent d'être bien dans les tours pour s'exprimer.
En bas dans les tours, on dirait une Subaru qui tourne sur 3 cylindres, le truc, hein. En termes de sonorité. Et même là, ça fait pas un bruit de Porsche, ça fait un bruit de coccinelle, dans le meilleur des cas. Coccinelle avec un échappement troué. Pourtant, c'est supposé faire un bruit assez Porsche en fait. Hein. C'est très proche du bruit du 911, normalement, ces voitures-là. C'est encore amplifié si on installe une ligne un petit peu plus sport dessus. Faire des clutch kicks avec ça. Alors je suis d'accord que la montre pneumatique à l'arrière est quand même assez large, franchement. Donc effectivement, faut le faire décrocher le bousier, mais quand même. Ça pourrait être facile d'aller chercher les 10 000. Parce que la voiture est un petit peu trop... un peu trop vide en bas, je trouve. Là, en fait, elle glisse uniquement parce que j'ai réussi à faire surchauffer le train arrière. Et donc, elle part un peu parce que bah, les pneus sont en PLS, donc elle glisse. Mais avec les pneus à température juste comme il faut, ça grippe. Ce qui est très bien, hein, ils ont fait une voiture qui grippe, c'est Porsche. Bon, c'est ce qu'on attend de leur part à la base, hein, des voitures qui tiennent le pavé. Hein. C'est pas comme les petites propulsions chez Toyota où elles ont cette réputation glissée et que c'est ça qu'on leur demande. Ou comme certaines BMW où pareil, on s'attend à ce que si on les cherche un peu, elles glissent. Là, c'est vrai que Porsche, on leur attend une certaine rigueur de châssis et on l'a. Pour ceux qui veulent retrouver l'essai du Boxster IRL, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Le paddock. La vidéo date de l'été dernier. C'est quand même dingue avec... avec 260 chevaux, je suis quasiment tout le long du circuit en deuxième, quoi. On fera pas mieux sur cette tentative, je vais quand même la retenter. J'étais pas loin de l'argent. Je pense que je peux peut-être aller chercher l'or malgré tout aujourd'hui. Surtout que j'ai pas envie de revenir dessus plus tard. J'ai un petit peu pris la voiture en main. Je sais qu'il faut la jeter un peu au freinage et puis mettre des grands coups de gaz, pas trop long pour pas qu'elle prenne trop d'angle, mais suffisamment long pour pas qu'elle raccroche. Avec toutes les autres bagnoles dans ce virage-ci, je devais remettre la 3. En deuxième, j'étais trop court. Et là,
Non, c'est pas compliqué, quasiment toutes les voitures, tu fais tout le circuit en troisième, sauf les deux épingles. Elle n'est pas désagréable pour autant, hein. Je veux dire, au lever de pied, si tu lèves, salut le Bernet, si tu lèves le pied en entrée de courbe avec le volant braqué, l'arrière veut déjà légèrement se mettre en glisse, donc ça c'est cool. Oula, 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 ça peut passer. J'aurais peut-être dû rester en fond de première là, pour ce virage, c'est pas grave. Ça c'est mon problème, c'est le côté le bouton start sur ce volant. C'est mon problème, c'est que des fois je vais en faire trop. Là je me suis dit je vais essayer de prendre un peu plus de vitesse, ça va aller. Oui mais en fait non. Ah mais attendez, je viens de voir un truc, c'est un moteur turbo là-dedans déjà. C'est peut-être pour ça qu'il fait un bruit de Subaru en fait le truc. C'est déjà le 4 cylindres turbo? Ça existait déjà quand cet Corsa est sorti? À moins que c'est vrai que j'ai l'édition Ultimate, donc il y a tous les DLC qui sont inclus dedans. Peut-être qu'elle fait partie des DLC et qu'elle est sortie plus tard que le jeu. Et du coup, ça peut peut-être expliquer la sonorité très Subaru. Par contre, ça n'explique pas vraiment pourquoi elle manque de patate en bas. Hein. D'accord, il faut le temps que le turbo charge, mais quand même, on est sur une voiture qui est quand même assez récente encore. Donc les turbos, c'est plus les années 80, quoi. On est plus sur des turbos où il faut être à 6000 tours minute pour que ça pète jusqu'à 7000 et puis que ça coupe. Qui n'a pas fonctionné, pas assez d'angle volant je pense. Ou j'avais peut-être déjà trop de vitesse par rapport au rapport engagé sur la boîte. Alors l'avantage de l'auto par contre c'est que du coup on n'est pas toujours en train de changer de vitesse. Donc c'est plus facile quoi pour les joueurs qui sont pas habitués avec la grillage et l'embrayage. Ouais, ça passe, c'est gros dans l'herbe mais on garde le
on garde le contrôle à peu près. Un peu trop tôt, dommage. J'ai pas perdu trop de points. Parce que j'avais eu un regrip avant qui avait validé le score précédent, donc ça c'est cool. Putain, j'avais les 10 000, fais chier. Ah, j'y étais, putain. Ouais, démarrage en première, ça va peut-être pas plus mal. Allez, on y retourne. J'étais si proche, mais au moins je sais que l'or c'est jouable, clairement, quoi. On passe par là, hop. Un peu trop là.
Ah, dommage, 1100 points. Il y avait du score à prendre. J'ai pris le virage un peu trop tôt. Une fois que tu commences à faire de la merde. Là, on va les avoir les 10 000 là. Voilà, je valide ça. Objectif atteint, on a le gold, ça fait plaisir. Maintenant, on termine l'épreuve en mode gros goret. Comme tout à l'heure avec les Toyota. J'ai pas vu combien de scores j'ai perdu, mais c'est pas grave. On a le gold. Gold, 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 Goldman. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous restera comme drift après? Il en reste encore quelques-uns, et pas encore avec le Caïman. Le Boxster, Boxster cette fois-ci, ok. Sur Magion. Ok, bah pourquoi pas. Ensuite, on aura 911R, Black Cat County Short. Ça va être chaud ça, parce que c'est un tracé que je connais pas, c'est un tracé fictif. Et c'est un tracé, c'est campagnard quoi, c'est du rallye le truc. C'est très large hein, comme piste, mais ça va être très très tendu, il y a des virages en pente, etc. C'est incliné, il y a du banking, de l'anti-banking. Ça va être chaud. Ensuite, alors plus qu'on avance, c'est moins il y a de drift hein, dans les trucs. M3E92, Highlands Drift, ça va, celui-là je pense que je le connais, je pense que c'est là-bas que j'avais fait les trophées drift, donc ça devrait bien se passer. En plus avec une BM qui me convient bien, le 92, donc ça devrait être pas mal. Beaucoup de hot lap hein, dans les épreuves qui nous restera à faire. De toute façon, par le drift, j'ai quasiment rien fait. Hein. J'ai fait quelques épreuves au début et c'est tout. Je pense qu'après, il n'y a plus de drift, c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas rajouté de drift du tout derrière? C'est possible. Si c'est le cas, bah, ensuite on reviendra sur les épreuves où j'ai pas eu le gold pour essayer de les golder. Et puis si je les gold assez vite sur un début de live, on verra après ce qu'on fait sur la suite du live, mais bref. Il n'y a plus de drift apparemment sur cette fin de tableau. Ce qui aurait été pas mal quand même, c'est qu'ils ajoutent un petit outil de recherche où on puisse rechercher par type de compétition. Ceux qui, comme moi, préfèrent... Il n'y a effectivement plus de drift après. Pour ceux qui, comme moi, préfèrent finalement, en fait, se promener, quoi, je vais dire, en suivant un type d'épreuve en particulier. Pour ceux qui se poseraient la question de à quoi ressemble Black Cats, c'était le short, je pense. Il n'y a que deux sortes, enfin trois, c'est bien celui-ci. Voilà, on va juste aller se promener un petit peu, deux minutes avec ce bon gros bébé, qui est le Maserati Levante, le genre de véhicule que je n'aime pas, hein, on va pas se mentir.
C'est joli, hein, je veux dire, il y a l'élégance de Maserati, il y a le confort que tu as en droit d'attendre d'une voiture de ce type. En termes de design, c'est pas laid, mais je veux dire, bon, c'est une boîte séquentielle, ok. Donc voilà sur quoi est-ce que je vais devoir drifter. Alors c'est très large, hein, donc effectivement, on peut enchaîner les Manji Drift. Mais il va clairement falloir limiter sa vitesse, en fait, pour ne pas se faire peur, finalement. Après, c'est sûr que c'est adapté au drift. Hein. Ouh, le rail est pas passé, moi. Et à la limite, même avec le SUV Maserati, je parviens à la limite à glisser un peu. Après, j'utilise évidemment énormément l'inertie de la voiture et le fait que, vu qu'elle est assez haute sur pattes, bah, le transfert de masse est très présent. Mais enfin bon, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler pour les prochains lives. Ça va pas être évident. C'est évidemment beaucoup plus facile de drifter sur un circuit qui est fait pour la course. Où t'as du dégagement, où t'as des pentes qui sont très mesurées finalement. Alors que là, ici, on va avoir un très très gros relief, un point de freinage. Ouais, effectivement, là, il y a un gros gros point de freinage. Oula. Et c'est le genre de choses qui me fait peur ici, c'est les virages très inclinés comme ça. Enfin, il est pas très incliné, c'est pas un banking de NASCAR non plus, mais je dis voilà, on est quand même sur un virage un peu en banking. Et ça, c'est le côté qui me fait un peu peur, c'est comment la voiture va réagir là-dessus. Eh ben j'en sais rien du tout, donc on verra ça en temps voulu, mais c'est sûr qu'il va falloir, je pense, vraiment limiter la vitesse pour parvenir à faire un score de drift cohérent. On va terminer le tour tranquillement, je pense qu'il y a juste à descendre la pente dans laquelle on se trouve ici, quelques épingles encore, et je pense qu'on sera à la fin. On est quand même sur le tracé court, donc normalement il devrait pas être très très long. Je pense qu'il doit rester genre deux virages et puis on va sûrement revenir dans le fond. Et puis voilà. L'occasion pour moi de vous donner rendez-vous demain pour le prochain live. On reste en mode drift, on reste sur Assetto Corsa. Et puis samedi, comme je l'avais annoncé plus tôt, on fera le défi drift de Frankie Franco. Retour sur Gran Turismo avec la BMW i3 sur le tracé de Catalunya Nacional. Et en vrai, même ce tracé court, il est déjà relativement long. Hein. Alors, genre, je suis clairement pas en mode contre la montre, j'essaie pas de tout donner. Et même en me promenant, j'ai quand même déjà réussi à éclater mon SUV, donc voilà. Mais je pense qu'il va pas falloir faire énormément de tours finalement. Pour atteindre le score, j'ai pas fait gaffe à quel score il fallait atteindre, mais enfin voilà, vous avez un petit peu aperçu comme ça le tracé sur lequel on m'a demandé de drifter. 3 minutes 50 pour faire le tour en me baladant à bon rythme avec un SUV. Je pense qu'en drift ça prendra facilement 4 ou 5 minutes pour faire le tour. On verra ce que ça donne. Bien, et ben voilà. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain donc pour la suite de notre aventure Drift sur Assetto avec à la clé au final, peut-être pas demain mais en tout cas sûrement dans le courant de la semaine prochaine, un nouveau trophée qui tombera avec l'intégralité des épreuves Drift qui seront terminées. Et puis on essaiera ensuite d'aller chercher l'or sur les épreuves sur lesquelles on n'y est pas parvenu, ce qui nous fera ainsi peut-être, j'espère, un deuxième trophée la semaine prochaine sur Assetto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.